Tout le monde est prêt, ça va commencer dans un petit instant. Voilà, je vois l'équipe des juges qui arrive. Un juge qui arrive, pas encore l'équipe. 30 petites secondes. 30 petites secondes et ça devrait être bon. On rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent, c'est la demi-finale du championnat de France de l'ATEART. Les finales auront lieu demain pour élire le représentant français qui va défendre les couleurs au championnat du monde, bien évidemment. Il y a beaucoup de monde devant la station numéro 1. Numéro 3, pardon. Et les voilà. Candidate numéro 5, vous êtes prêts pour l'encourager? Elle représente Maxi Coffey et c'est Neora Schwartz. Faites du bruit! Allez, le Sira, on vous entend pas. Faites plus de bruit pour les juges maintenant. Les juges qui prennent place, bien évidemment. Neora, on te rappelle rien du tout parce que t'en es pas ton coup d'essai, hein, le time, bien sûr. À la fin, on te laisse la parole. J'ai laissé mon chronomètre là-bas. Pardon. Oui, mais c'est psychologique. Merci. Time. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des dessins inspirés de l'animation japonaise. Pour commencer, je ferai Kiki la petite sorcière de Miyazaki, puis Setsuna de Angel Sanctuary, et je finirai par un phénix de la saga Pokémon. Je reviens tout de suite, je vais faire couler les espressos. Pour réaliser Kiki, la petite sorcière, je pars sur une base de Rosetta afin de faire le balai. Ensuite, en tracé libre, je viendrai faire le manche du balai, ainsi que le corps de Kiki et sa tête. En utilisant également la technique des points, je pourrais faire les nuages qui sont situés dans le ciel. On applaudit, on l'encourage. Et bravo, première classe.
Et deuxième tasse, messieurs-là. Et je vous présente Kiki la petite sorcière. Je reviens de suite pour le second fripour. Et c'est reparti. J'ai décidé de faire donc cette tuna et pour réaliser ce dessin, je vais commencer par faire les ailes de l'ange avec des Rosetta. Ensuite, je vais venir faire le corps, puis en tracé libre, je viendrai faire ses bras, ses jambes et un point pour finir pour faire la tête de l'ange. Me revoici. Ça vous plaît, le public ? Et voici. Merci. Et quelle dextérité, bravo! On l'applaudit bien fort. Et voici, et je reviens pour le phénix. Pour ce dernier, je vais venir faire les ailes en Rosetta du phénix, le corps en tracé libre, et enfin un rond pour réaliser sa tête. Merci. Voici pour vous.
On l'encourage, la dernière ligne droite. Et là, on fait le bruit. Est-ce que je peux avoir le temps, s'il vous plaît? Merci. Et voici. J'espère que cette animation vous a plu. Time. Et c'est le time. Et le time. Viens ici, Néora, viens, ne touche à rien, je suis juste derrière toi. Voilà. Alors, messieurs, dames, on va juste vous demander d'attendre que les juges soient sortis pour vous rapprocher pour faire les photos, s'il vous plaît. Laissez-les finir, ne renversez rien. C'est important pour Néora que les dessins ne bougent pas. Hein. Ça va? Bien sûr que ça va. Oui, ça va. Ah, je savais que ça allait bien. Bon, alors, ce qui est drôle quand même, c'est que... Bon, on le sait, hein, tu montes sur un stepper et tout, tu t'es quand même entraîné avec le plus grand de tous les baristas de la planète. Ouais, c'est marrant. Hein, c'est vrai. Ouais. Bon, alors l'entraînement, intensif. Oui. Beaucoup de travail. Ouais, sur une très très courte période. Ouais, beaucoup d'investissement quand même. Oui, mais okay. De la part de tout le monde. J'étais pas seul, donc ouais. Bon, super. Ouais. T'as réussi à trouver tes marques avec le Lactel Pro, avec la machine, tout ça, t'as réussi à bien trouver tes marques. C'est des recherches pour le Lactel, mais une fois qu'on a trouvé le truc, ça marche. Ça marche, voilà. Ouais, exactement. D'accord. J'ai vu que tu utilisais aussi un Pug Press hein, pour gagner un peu en régularité et puis en rapidité, c'est pratique ça. Hein. Oui, et pour économiser maman, c'est bien aussi. Merci. Merci les juges, on peut les applaudir beaucoup pour leur travail. Merci. Très constant. Oui, tu me disais, oui, ton poignet, hein, bien sûr, ouais. Qui t'a fait souffrir pendant si longtemps. Donc comme ça, au moins, tu évites. Je le repose. De l'abîmer. Ouais. Ouais, exactement. Bon, bah, en tout cas, bravo hein, pour ce travail, c'est superbe. Merci. Hein, tu vois le nombre de personnes qui est là pour t'encourager. Encore bravo, Néora. Merci. On souhaite te voir pour la suite. Bravo. Allez, vous l'applaudir. Merci, Néora. Le chauffeur du bus vous appelle à la sortie, s'il vous plaît. Pour le Allez, dans quelques instants, nous aurons notre.